chez Yuki Création, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, pour cette fois-ci, je suis pas très en forme. Donc il va y avoir plusieurs ouvertures du coup de calendrier de l'Avent sur 4 jours. Donc on va ouvrir ensemble la case 8, 9, 10 et 11. Je suis pas bien, je suis pas en forme, donc ça va être un peu compliqué pour tourner les vidéos pour les 4 prochains jours. Donc du coup, j'ai décidé de prendre de l'avance et on va faire les ouvertures tout de suite. Du coup, pour la case 8, on va avoir ceci. La case 9. On va avoir... ceci. La case 10. On va avoir ceci. Et la case 11, on va avoir ceci. Du coup, la case 8 pour le thé, donc je n'ai pas ouvert le calendrier de l'Avent Kinder numéro 2, vu que c'est exactement les mêmes produits. Donc là, pour la case 8, on se retrouve avec un thé noir jardin bleu. Donc, voici les ingrédients. Donc, on va avoir de la rhubarbe, fraise des bois, pétales de fleurs. La case numéro 9, on va avoir un lassi mango. Donc, je pense que c'est un thé noir à la mangue. Ensuite, à côté, nous avons le numéro 10 qui est juste ici. Hop. Donc, un Christmas tea noir. Le numéro 11 qui est ici. On va avoir un thé à la madeleine, un rose boys. Pour le calendrier de l'Avent du coup, Dragon Ball en numéro 8, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir des petits stickers de capsules. En numéro 9, donc la case 9 qui est juste ici, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ah, je sens un truc en plastique. Hop, donc là on a un petit... magnette, super jolie, j'adore. Ensuite, numéro 10, qui est tout en haut. Qu'est-ce que c'est que nous allons avoir? Je crois que c'est des cartes. Bingo. Bingo, bingo. Donc, on va avoir Vegeta. Vegeta Super Saiyan. Goten et Trunks. Gotenks en comme ça. Hop. Du coup, ça va rejoindre du coup la petite collection que je garde près de mon bureau. Ensuite, la case numéro 11 qui est ici. Donc on va avoir deux petites décorations. Donc on va avoir la boule de cristal avec les 7 étoiles. Et là, on va avoir la boule de cristal numéro 6. Du coup, on va avoir la case 8 et 9 ici. Donc, je sais absolument pas ce qu'on va avoir pour le calendrier de l'Avent de chez Beauty Success. Donc là, je crois qu'on va avoir un eyeliner liquide marron, comme ce qu'on a eu dans les petites pochettes qui nous sont offertes chez Beauty Success. Ensuite, la case numéro 9 qui se trouve ici, on va avoir, d'après ce que je vois, un petit brillant à lèvres. Comme ceci, qui est vraiment très joli. La case numéro 10 et 11 qui se trouve en bas à droite, du coup, de... je suis en train de tout démonter. Voilà. Donc on va avoir une nouvelle fois une base lissante. Et à la case numéro 11, qu'est-ce qu'on va avoir? Je me pose la question. Donc on repart sur un gloss, mais par contre celui-ci beaucoup plus pâle
sur un ton saumon vraiment très clair. Ensuite, comme vous le savez, celui-ci, c'est mon préféré, donc le numéro 8 qui est ici. Donc voilà, donc en soi, je vous raconte pas de conneries, c'est vide. Numéro 8, il est vide. Ensuite, numéro 9 qui se trouve être, qui est ici. Donc là, on va avoir une bougie de taille moyenne, donc celle-ci. C'est la belle nuit étoilée. Elles sont vachement beaux. Ensuite, mais je crois que, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression en fait qu'elle se trouve ici. Enfin bref, on finira par trouver celle qui manque, la case numéro 10 qui est juste ici. Donc là, on se retrouve avec orchidées sauvages qui sont très très bons aussi. Et la case du coup numéro 11 qui est là. Donc là, on va avoir biscuits roulés à la menthe. Voilà, celle-ci. Du coup, voilà tout ce qu'on a eu dans la case 8, 9, 10 et 11. Donc en soi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Sur ce, je vous retrouve ou demain ou alors dans 3 ou 4 jours. Le temps de me reposer. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.